Bonjour et bienvenue dans le podcast La Soquette Légère. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que vous êtes confortablement installé chez vous et que le moral est bon. L'invité qui va m'accompagner tout au long de ce podcast, c'est le jeune coureur Valentin Madouas de l'équipe Groupama FDJ. Salut et bienvenue à Valentin. Bienvenue, merci, bonjour. Comment ça va ? Moi, ça va très bien. On profite un petit peu du soleil et voilà, on se repose avant le début des courses. Eh ben excellent, on va en reparler très rapidement du début des courses effectivement. Valentin, mets-toi à l'aise, on est ensemble pour la prochaine demi-heure, voire peut-être un petit peu plus, et on va découvrir ton environnement professionnel dans lequel tu évolues au sein de ton équipe Groupama FDJ. Valentin Madouas, tu es un des grands espoirs du cyclisme français. Tu es le fils de Laurent Madouas, lui-même très bon coureur français dans les années 1990. Tu as tout juste 2 ans lorsque la France remporte sa première Coupe du Monde de football et ton profil est assez atypique. Passé coureur cycliste professionnel en 2018 au sein de la formation Groupama FDJ de Marc Madiot, tu suis en parallèle, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, des études d'ingénieur à Brest. Et après 2 saisons passées chez les professionnels avec environ 130 jours de course et près de 22 000 km accumulés, tes résultats sont prometteurs. Déjà une victoire et 26 top 10. Alors tu as couru, et on l'a tous suivi, ton premier grand tour avec le Giro d'Italia en 2019. Mais 2020 pourrait être l'année de tes premiers coups de pédale sur le Tour de France, parce que l'info est assez récente. Le Tour de France 2020 aura bien lieu du 29 août au 20 septembre prochain. Valentin, comment est-ce que tu réagis à cette info du Tour de France ? C'est une très bonne info, puisque déjà le Tour de France aura lieu, donc ce qui est voilà, pour moi la plus bonne nouvelle. Ensuite, voilà, après, concernant la date, on s'attendait forcément à un report. Moi, je suis plutôt satisfait de ce changement de date et voilà, on espère que le Tour de France aura lieu dans de très belles conditions. Est-ce que tu as déjà pu un petit peu échanger avec ton équipe Groupama FDJ ? On parle régulièrement ensemble, mais j'ai pas pu échanger, on va dire, sur ce sujet-là encore. Je pense que d'ici quelques temps, on va recevoir des mails de l'équipe qui va nous expliquer comment va se passer la reprise et les sélections et tout ce qui tourne autour de ce Tour de France. Donc voilà, pour l'instant, on est encore très loin de l'objectif, donc il n'y a pas besoin de se précipiter encore. Alors tout le nouveau programme avec le staff, la suite, la sortie du confinement, tout ça va venir dans les semaines qui vont arriver avec le staff de l'équipe. Ouais, c'est ça. Actuellement, ils sont en train de tout revoir, tous nos programmes, toutes nos courses, voilà, et puis nos entraînements actuels. Pour l'instant, c'est le flou complet pour les coureurs, mais également pour le staff, parce que c'est très compliqué pour eux de programmer des choses et de tout enregistrer pour qu'on puisse performer au mieux. Donc pour l'instant, on attend que le confinement se termine tranquillement, et à partir de mi-mai, on va pouvoir vraiment commencer à tout programmer. Alors ça doit être sans doute trop tôt pour le dire évidemment, mais est-ce qu'on pourra te voir au départ du Tour de France à Nice le 29 août prochain ou pas ? Pour l'instant, je suis sur les listes de présélection, tant qu'on n'est pas sélectionné officiellement, on peut pas se dire qu'on est sur la ligne de départ du Tour de France. La nouvelle programmation des courses entre début juillet et sans doute le mois de novembre, est-ce que ça peut amener à modifier un petit peu tes objectifs de la saison, découvrir un grand tour plutôt qu'aller cibler des monuments ou des grandes classiques ? Ça va dépendre du programme de course qui est encore assez vague pour nous. On ne sait pas si les classiques auront lieu et à quelle période. Est-ce que c'est possible de viser les deux ? Peut-être. Pour l'instant, c'est vague, donc c'est très compliqué d'imaginer une préparation avec des objectifs différents de ceux de d'habitude. Donc, on va analyser tout ça, on va prendre notre temps, ouais, et puis on va faire les bons choix, j'espère. Peut-être, oui, il y aura sûrement des changements dans mon programme. Ça, c'est une évidence. Alors évidemment, c'est une info, et on l'imagine, qui fait énormément de bien aux coureurs cyclistes professionnels. Est-ce que vous, les coureurs qui étiez un petit peu dans l'attente, est-ce que c'est l'info qui vous manquait, d'avoir un cap et une date de reprise ? Oui, c'est sûr, c'est une info qui était très très importante pour nous, parce qu'on ne savait pas déjà quand on allait pouvoir reprendre sur route à l'entraînement. Donc c'est sûr, il y avait des personnes qui paniquaient. Est-ce qu'on allait être en forme ou pas ? Là, on voit qu'on aura quand même relativement le temps avant le début des courses. Mais ça mettra 2 mois. 2 mois sur route, c'est largement suffisant avec l'entretien qu'on peut avoir actuellement sur Home Trainer. Donc déjà, ça va apaiser tout le monde là-dessus. Et
penser à la reprise des courses, c'est sûr que ça va nous aider pour notre préparation. Au moins, on aura des objectifs en tête. Évidemment, il y a encore plusieurs semaines et de longues semaines de confinement. Est-ce que le fait de connaître ces échéances, même en temps de confinement, ça peut modifier un petit peu les entraînements et l'intensité qu'on fournit? Oui, bien sûr. L'intensité change énormément, le volume également. Je compare un peu cette période à une coupure hivernale. On a arrêté presque de rouler, on a tous coupé déjà quelques temps. Moi, j'ai coupé à cause de ma chute, mais certains voilà, ont coupé après Paris-Nice. Tout le monde a coupé, tout le monde a repris tranquillement sur home trainer. C'est sur les intensités, on n'en fait pas ou peu. On en fait quand même un petit peu pour garder un petit peu de rythme. Bah, moi, personnellement, je sais ce que je fais. Et je sais que pas tout le monde en fait, mais moi, j'en fais un petit peu pour garder un petit peu de rythme, mais ce n'est pas du tout l'objectif. J'en fais le moins possible. Et tout ça arrivera avec les stages et avec toute la reprise sur la route, parce que je pense que toutes les équipes vont, voilà, c'est sûr, je compare ça à une coupure hivernale, donc on va tous repartir en stage, on va tous refaire des entraînements ensemble, et puis on va repartir sur un cycle comme en hiver. Alors, pour revenir un petit peu à la période actuelle et le confinement, on a souvent entendu parler du home trainer. Est-ce que toi, c'est un moyen que tu utilisais déjà par le passé dans tes programmes d'entraînement à la maison ou pas? Oui, bien sûr. Moi, j'utilisais énormément ce programme d'entraînement sur home trainer. Parce que, étant étudiant en école d'ingénieur encore, sur la période hivernale où il fait nuit super tôt, à 17h, on a cours jusqu'à 16h, 17h, 18h, on ne peut pas aller rouler dehors. Donc, on s'entraîne beaucoup sur home trainer. Et puis, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je sais que j'arrive à obtenir une forme optimum très, très rapidement après avoir sorti l'home trainer. Je sais qu'il me faut 2 semaines, en gros, pour faire juste un tout petit peu de volume. Et je sais que le niveau, je l'ai très rapidement. Donc, pour moi, ça ne change pas énormément. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, ça ne me dérange pas du tout d'en faire actuellement. Et également, pendant ce confinement, on a vu l'explosion des plateformes d'entraînement connectées. On a vu que toi, tu t'es prêté un petit peu au jeu de ces courses connectées. C'est quoi un petit peu ton regard là-dessus? Moi, déjà, j'en fais depuis 3 ans. Donc, je sais très bien comment l'utiliser et comment le faire dans ma préparation. C'est sûr que quand on commence avec cette application, on a l'envie de faire beaucoup de courses, on a l'envie de travailler différemment, de faire du rythme. C'est ça, c'est un petit peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais moi, j'ai un très bon regard, parce que ça permet de travailler super facilement. On a des comparatifs par rapport à la route qui sont de plus en plus faibles. On se rapproche énormément des sensations qu'on peut avoir sur route avec les montées et les descentes quand on a un home trainer adapté à ces plateformes qui sont vraiment très très belles. Et puis voilà, on sent qu'il y a des grosses progressions au niveau des différentes applications et que ça ressemble de plus en plus à la réalité. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc pour nous, voilà, moi j'ai un regard que positif. Ça peut être que quelque chose d'extra pour nous, rien que pour notre sécurité. Est-ce que plus tard, quand il va pleuvoir dehors, on va hésiter, je pense qu'on va hésiter à aller s'entraîner dehors et au lieu de faire une bonne séance d'home trainer à la maison, qui est des fois plus productive justement que d'aller s'entraîner sous la pluie. Et tu prends du plaisir sur ces courses virtuelles? Bien sûr, on prend du plaisir. Là, ça permet de s'amuser. Moi, je le prends vraiment à la rigolade, pas du tout en mode performance, mais on se prête au jeu et on essaie de faire quand même la meilleure place possible dans ce genre de compétition. Mais voilà, c'est sûr, faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême de ces courses, mais voilà, pour moi, c'est quelque chose de super. Alors, on a parlé des entraînements sur home trainer et des courses virtuelles. Si on reparle maintenant d'entraînements sur la route, qui sont un petit peu tes camarades de sortie généralement en Bretagne? Moi, sur route, moi, j'ai pas mal de coureurs. J'ai des amis, on va dire, de ce côté avec qui je roule, qui sont dans la catégorie amateur, des coureurs qui sont en troisième ou en deuxième catégorie. Puis j'ai également Léo Danès avec qui je m'entends très bien, qui est en élite. Puis après, de temps en temps, je vais rouler avec Laurent Pichon ou Olivier Legac, qui sont un petit peu plus loin de chez moi, mais ça m'arrive de rouler un petit peu avec eux. Je rappelle que Valentin Madois, c'est l'invité du podcast La Soquette Légère. Valentin, on va s'intéresser un petit peu plus à toi et à ta personnalité. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande satisfaction jusqu'à ce jour?
Moi, ma plus grande satisfaction, ça restera. On va dire qu'il y en a plusieurs. Il y a ma première victoire chez les pros qui est très importante. Également, le championnat de France amateur que j'ai pu remporter, où j'ai pu profiter de ce maillot de champion de France. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ouais, j'ai bien pu profiter de ce moment. Pour moi, c'était vraiment super. Et à l'opposé, ta plus grande déception? Ma plus grande déception actuelle, c'est sûr, ça reste la fracture de ma mâchoire et le fait de ne pas pouvoir participer à Paris-Nice. Je m'étais préparé, j'étais arrivé à mon pic de forme, donc je n'ai pas pu le montrer du tout. C'était ma course de reprise, donc c'était compliqué pour moi. Sur Paris-Nice, tu aurais dû accompagner Thibaut Pinot, notamment sur les étapes clés, les étapes de montagne? Oui, c'est ça. C'était l'objectif, c'était de faire une course avec Thibaut Pinot en vue d'une éventuelle sélection au Tour de France. Donc malheureusement, j'ai pas pu le faire. C'est pour ça que aussi ma participation au Tour de France est loin d'être actée, même si moi, je l'espère à 100%. Valentin, la personne qui t'inspire au quotidien, c'est qui? Moi, j'essaie, on va dire, de faire les choses à ma façon et d'écouter beaucoup des avis extérieurs. Donc c'est pas forcément une personne particulière, mais c'est plus voilà, toutes les personnes de mon entourage qui vont me donner des conseils, qui vont m'aider. Et à partir de là, c'est moi qui va prendre les décisions à moi-même et qui va me faire ma façon de penser et de progresser. Est-ce que tu aurais un talent caché à nous spécifier? Pas forcément. Non, j'ai pas forcément de talent caché. En tout cas, j'en vois pas trop devant moi, mais. Est-ce qu'un talent, ça peut être de concilier la vie d'un sportif professionnel et le fait de poursuivre ses études d'ingénieur en même temps? Ouais, c'est sûr, ça peut être quelque chose. Ça peut être un talent. Après, moi, je le considère pas comme un talent. Pour moi, c'est une logique, on va dire. Mais pour beaucoup de personnes, c'est un talent. Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Mais comme je le dis souvent, je pense que tout le monde en est capable. Il faut juste avoir l'envie et trouver quelque chose qui nous passionne. À partir de là, le temps, on arrive tout de suite à le passer beaucoup plus facilement. On n'est pas du tout dans la contrainte. Dès qu'on arrive dans la contrainte d'aller à l'école, ça sert à rien d'aller à l'école. Je suis complètement d'accord avec les gens qui vont pas à l'école s'ils sont dans la contrainte. Mais aussi, il faut chercher quelque chose qui les passionne, qu'ils aiment, et ils vont voir que tout de suite, c'est plus une contrainte et c'est devenu une façon de vivre complètement différente. C'est pour quand le diplôme? Ce sera peut-être l'hiver prochain, on va voir comment tout ça va se passer. Valentin, si on revient un petit peu au vélo et au cyclisme, en cette période de confinement, quels sont les échanges que tu as pu avoir avec ton équipe Groupama FDJ depuis un mois? On a pu parler déjà avec le staff de l'équipe qui était important. J'ai régulièrement des nouvelles des directeurs sportifs, savoir si tout le monde va bien. Après, on a eu le nutritionniste voilà, j'ai appelé le nutritionniste de l'équipe pour qu'il puisse nous aider et m'aider, moi particulièrement, à avoir un plan de nutrition pendant ce moment qui est quand même différent de celui d'habitude. Et après, je travaille également avec mon préparateur mental pour m'aider à passer plus facilement cette période difficile. Entre équipiers, vous discutez pas mal, groupe WhatsApp, réseaux sociaux? Ouais, on parle un petit peu. Justement, avec l'application Zwift, on essaie de se faire au moins une à deux fois par semaine des rassemblements ensemble pour qu'on puisse faire quelques minutes ensemble sur le vélo. C'est important pour nous. Et puis, voilà, on rigole ensemble et on essaie de bien vivre ce confinement. Alors, quand on parle de Valentin Madouas, on associe souvent David Godu. C'est vrai que vous avez un parcours qui est à peu près similaire dans votre accession au monde professionnel. Vous êtes désormais coéquipier au sein de la Groupama FDJ. Est-ce que vous partagez tous les deux et est-ce que tu partages avec lui une relation qui dépasse simplement le sportif? Oui, c'est sûr, on a une relation qui dépasse un peu le sportif puisqu'on est souvent ensemble. Donc à partir de là, nous, on se parle régulièrement sur autre chose que le vélo. Donc à partir de là, pour moi, c'est tout de suite sortir de l'esprit sportif et l'esprit de l'équipe. C'est quelque chose qui est complètement différent. On s'envoie des messages régulièrement pour tout et n'importe quoi. Donc quand il a besoin de conseils ou d'aide, il m'en demande. Et inversement, quand je me pose des questions où je sais qu'il peut répondre, je vais lui poser la question sans aucune arrière-pensée. Et ça fait quoi depuis autant d'années de vivre cette expérience humaine et professionnelle à ses côtés? Bah, c'est quelque chose de bizarre au début, parce qu'on a commencé déjà tout petit ensemble. Puis maintenant,
on court chez les pros, donc c'est quelque chose qui est différent. On a toujours vécu comme ça, donc c'est compliqué d'imaginer autre chose, mais oui, c'est quelque chose de différent de d'habitude. On se connaît parfaitement, donc c'est sûr que ça aide dans les intégrations ou au sein d'une course ou d'une même équipe. On se comprend assez facilement, donc c'est plus facile de s'aider et de donner le maximum pour l'autre quand l'autre est plus fort. Alors David Godu, Valentin Madouas, on entend souvent ces noms quand on parle des futurs espoirs ou des grands espoirs du cyclisme français. Comment est-ce qu'on vit un petit peu avec cette pression au quotidien ? On vit ça assez différemment, c'est sûr. Au quotidien, nous, en tout cas dans le Finistère, c'est sûr que les gens nous connaissent bien et arrivent à nous reconnaître. Après, nous, comment on vit la chose, moi je la vis normalement. Il y a pas de changement par rapport à d'habitude. Voilà, moi j'essaie de me mettre à travers tout ça. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon métier le mieux possible et j'essaie d'être le plus performant. Après, faut aussi essayer de s'écarter de tout ça et se concentrer sur ce qu'on sait faire et pour performer le mieux possible, même si c'est sûr c'est toujours agréable de recevoir des messages ou plein de choses positives. Voilà, c'est sûr ça touche énormément, mais il faut essayer de faire la part des choses et se concentrer sur notre métier. Valentin, si on replonge dans une préparation d'une saison ordinaire, est-ce que le stage de début de saison, c'est la base de tout pour construire l'équipe pour l'année qui vient ? Oui, c'est une base de tout, c'est sûr. Les stages, pour nous, c'est très très important parce que ça permet de connaître tous les nouveaux coureurs, tout ce qui se passe à côté. Donc c'est quelque chose qui est très important pour un groupe. Et puis ça permet de connaître les individualités. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qui est assez important pour nous de connaître les coureurs et savoir qu'est-ce qu'ils pourront faire pour l'équipe, leur manière de progresser, leur manière d'être. Est-ce que c'est à ce moment-là également où on définit les objectifs, le plan de route de chaque coureur, les courses auxquelles vous allez participer ? Oui, c'est à partir de là qu'on fait tout. Donc, c'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir se concentrer un maximum sur la performance, sur le programme des courses. C'est là qu'on se met en tête notre programme d'entraînement et notre programme de compétition. Donc, c'est le moment qu'on attend tous, on va dire, quand on coupe, on a hâte au stage de pouvoir savoir quand on va reprendre, par quoi et comment va se passer notre saison, parce que c'est un peu le fil rouge de notre saison, c'est ce stage-là, c'est celui-là qui va tout déterminer. Puis aussi, voilà, tous les réunions, tous les changements dans l'équipe, dans le staff, c'est une manière de connaître les gens et pouvoir progresser, aller plus vite ensemble. À quel moment tu reçois ton nouveau matériel, tes nouvelles tenues ? À quel moment tu testes tout ça ? Bah, ça dépend, hein. On reçoit le matériel et les tenues assez vite, même si là, pour tout vous dire, on n'a pas encore tout reçu. La plupart, on les reçoit dès le mois de novembre, enfin non, dès décembre. Mais nos affaires pour l'hiver, on les reçoit justement à ce stage. Et puis le reste, on a au courant saison, donc début des courses, normalement, si tout se passe bien. À date, là, peut-être quelques cuissards et quelques maillots avec des gants. On n'a pas encore eu nos gants, mais après, en soi, on a eu une paire ou deux, mais c'est assez compliqué avec les courses de début de saison. En gros, voilà ce qui manque. Des fois, les paires de chaussettes, on les a pas tous en même temps. On a quelques paires pour le début de saison, mais il nous en manque pour la suite. Voilà, ce genre de petites choses. Et pas, ou deux, trois vestes longues. Souvent, on partage le pactage en deux parties, comme ça on a la première assez tôt et puis la deuxième pour la fin de saison où il fait plus beau, où on les salit moins et on peut rouler plus longtemps avec. Et est-ce que pendant la saison, pour fluidifier un petit peu la communication et les relations entre le staff et les différents coureurs de la Groupama FDJ qui sont un peu éparpillés sur toutes les courses et sur tous les continents, est-ce qu'il y a un petit peu des processus qui sont mis en place ? Ouais, bien sûr, on utilise, il y a les directeurs sportifs ou autres qui sont toujours là avec nous, donc qui vont nous suivre, qui vont nous poser plein de questions. Puis on a également notre plateforme d'entraînement qui est à jour, donc c'est celle-là qui va permettre d'avoir, on va dire, le lien entre tous les coureurs de l'équipe et tout le staff.
Et puis voilà, c'est là qu'on met tous nos entraînements. Il y a une prochaine compétition, il y a les documents. Quand, voilà, il y a des problèmes comme actuellement avec l'histoire du confinement. On a tous nos documents qui peuvent nous servir. Et voilà, il y a tout qui est mis sur cette plateforme et c'est assez. Bah pour nous, c'est super. Si on reprend l'exemple de ton Giro l'année dernière, le Giro 2019, où tu as terminé, on le rappelle, 13e au classement général final, est-ce que tu as un staff qui est attitré? Je prends un exemple, est-ce que tu as un mécano attitré? Est-ce que tu as un kiné référent? En fait, les mêmes personnes qui te suivent tout au long de la course, de l'épreuve. Sur les grands tours en particulier, ou même sur toutes les courses par étapes, on a toujours le même masseur ou le même kiné qui va nous faire toute la course parce qu'on a nos habitudes avec lui et on prend des habitudes au fur et à mesure de la course. Donc on change jamais pendant la course, à part, bien sûr, ça arrive de temps en temps quand on rentre tard ou quand on se fait masser dans le bus, quand il y a des petites choses comme ça, il y a toujours des petites différences. Mais sur un grand tour, on est tout le temps massé par le même masseur. Après, les mécanos, c'est eux qui travaillent de façon différente. Ils s'occupent tous de tous les vélos. Donc, celui qui est à la course, il reste à la course. Il fait juste le lavage des véhicules. Et autrement, les deux autres mécanos vont s'occuper du reste. Il y en a qui vont faire de gros travaux. On va dire les gros travaux quand il y a des casses ou quand il y a des choses, voilà, c'est eux qui vont faire ça, et puis l'autre va être dans le lavage des vélos et dans mettre les braquets pour le jour d'après. Donc, les trois ou quatre mécanos travaillent de façon identique pour chacun des coureurs. Et Valentin Madouas, quand on regarde l'encadrement de l'équipe Groupama FDJ pour cette saison 2020, est-ce qu'on se dit que tous les éléments sont rassemblés pour aller chatouiller les plus grandes équipes du monde? Oui, on espère. Nous, on a des capacités. Au sein de l'équipe, on commence à avoir les moyens de pouvoir faire de très belles choses et on voit qu'on progresse d'année en année avec nos nouveaux vélos, plein d'autres choses qui permettent qu'on puisse progresser et mettre des choses en place pour devenir une des meilleures équipes au monde. Donc voilà, on progresse tranquillement et on espère arriver au niveau des meilleurs le plus vite possible, même si je pense que on n'y est plus très très loin, on se rapproche. En tout cas, sur certaines courses, on peut se considérer comme une des très grandes équipes. Après, c'est sûr, on n'est pas encore au niveau des meilleures équipes du monde, mais on s'y rapproche tranquillement et on espère d'ici 2 3 ans aller les chatouiller sur toutes les courses. Et on le sait tous, une équipe de vélo, elle repose principalement sur des investisseurs et des sponsors. Et est-ce que tu dois te prêter parfois à certaines activations pour ces marques partenaires? J'ai un contrat d'image au sein de l'équipe, donc ça me permet de pouvoir d'avoir des de faire des choses pour nos partenaires. Et je trouve ça complètement normal et logique. On porte leur image et ils donnent beaucoup d'argent pour nous payer, donc c'est à nous de les aider et de faire ce qu'ils nous demandent de faire pour qu'ils aient un bon retour sur investissement et que le vélo continue de perdurer grâce à ses partenaires. C'est grâce à eux qu'on vit et que le vélo est de plus en plus présent. Et puis voilà, et que les investissements sont de plus en plus gros, c'est grâce aux partenaires, il ne faut pas oublier. Donc c'est complètement logique de faire des choses pour eux. Ça peut être quoi comme activation? Tu mentionnes des petites choses à faire, des petites choses par rapport à ce qu'ils te demandent, ça peut être quoi? Des vidéos, aider des projets qui peuvent aider, voilà. Après, faire une sortie sur Zwift avec eux, voilà, plein de choses comme ça, être présent sur différents endroits, des séances de dédicaces, des photos, voilà, c'est très très variable. Alors forcément, quand tu communiques, tu impliques ton équipe et évidemment tes sponsors. Est-ce que tu as des règles à respecter, des consignes, des choses à faire, des choses à ne pas dire ou des endroits à ne pas aller? Comment ça se passe un petit peu? Non, nous on dit tout à l'équipe, on fait tout. Après, je pense qu'il n'y a rien à cacher, tout le monde est au courant. C'est sûr, quand on va en vacances, quand on fait des choses, on le dit à l'équipe. Après, on va le dire à notre entraîneur qui, après, va le redire à Marc Madiot, à notre manager ou au staff voilà, supérieur pour qu'ils puissent savoir. Mais après, nous on est libre de faire notre vie, on n'est pas non plus enfermé. Nous on n'a pas d'activité qu'on ne peut pas faire, on fait toutes les activités qu'on a le droit. Après, il faut faire attention. C'est sûr que si on se blesse,
c'est entièrement de notre faute et faut comprendre tout ça et faut être capable de tirer le pour et le contre. Mais normalement, quand on est coureur cycliste, on fait tout pour être coureur cycliste et si on a besoin de partir en vacances, on part en vacances. Il faut éviter de faire un maximum de choses à risque pour qu'ils puissent impacter notre performance. Valentin, pour continuer, j'ai quelques idées reçues. C'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement. Voici la rubrique « Le vrai du faux ». Le vrai du faux. Vrai ou faux, tu ne peux plus réaliser une interview sans qu'on te parle de Thibaut Pinot. Faux. Ça commence à... C'est sûr, on parle de plus en plus de Thibaut, mais il y a quand même certaines interviews qui ne vont pas forcément parler de lui. Mais c'est sûr que depuis le Tour, ça a quand même énormément changé. On parle énormément de Thibaut, mais... Il y a quand même des interviews où il ne parle pas de Thibaut Pinot. Est-ce que c'est galvanisant d'avoir un coureur comme Thibaut Pinot dans l'effectif ? Oui, pour nous, c'est très galvanisant parce qu'il est capable de gagner le Tour. Donc à partir de là, il est capable de gagner la plus belle course du monde. Donc on peut gagner, ça veut dire qu'il peut gagner toutes les courses, presque essentiellement toutes les courses difficiles. Donc sur ces galvanisants, on a envie de donner son maximum pour qu'il puisse... réaliser son rêve de remporter le Tour et nous également d'être présents dans une équipe qui a gagné le Tour, ça peut être des rêves pour tout le monde. Comment est-ce que tu as vécu, toi, de ton côté, la déception du Tour de France 2019 ? On espérait tellement qu'il puisse remporter le Tour de France ou même faire un podium, ça aurait été super pour l'équipe. Voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est le sport, c'est la vie, voilà, c'est... Il y a forcément des choses qui se passent parfaitement tout le temps et puis par moments, il y a toujours des problèmes. C'est sûr, ça tombe souvent sur lui, mais il faut se dire qu'un jour, il n'aura pas ça et qu'il va pouvoir donner son maximum et 100% de ses performances pour faire la meilleure place possible sur le Tour. Donc voilà, c'est sûr, ça va arriver. C'était juste pas pour cette année-là et on espère que ce sera pour 2020. Vrai ou faux, si tu as le choix, évidemment, tu préfères découvrir le Tour de France cette année ou plutôt viser un bon résultat sur les classiques ? Vrai et faux. Non, franchement, je sais pas parce que déjà, c'est comme tout. Moi, on espère tous faire des très belles performances sur le Tour de France. Moi, j'ai envie de le découvrir. J'ai envie de mettre toutes mes performances pour découvrir le Tour. Mais après, il y a des très belles courses où je sais que je peux bien marcher. Donc, c'est compliqué de mettre un jugement entre les classiques et le Tour. Les classiques, c'est début de saison. Et ensuite, les grands tours par la suite. L'année dernière, c'était différent parce que j'enchaînais classique et Giro. Donc là, c'était pas du tout la même préparation. Mais si un jour, je fais classique et Tour de France, tout est possible. Vrai ou faux, le dernier, le report des Jeux Olympiques de Tokyo, en fait, c'est une aubaine pour toi parce que tu peux aussi te présenter comme candidat sérieux à la sélection française. Oui, ça c'est vrai parce que cette année, ça aurait été juste pour moi d'y aller. J'ai pas montré assez de choses en montagne, j'ai pas pu faire le Tour de France. Donc je manque d'expérience. Je vais arriver à 25 ans l'année prochaine. Je vais commencer à avoir de la maturité physique et au sommet de ma forme. Donc pour moi, c'est une aubaine pour moi de ne pas avoir les Jeux Olympiques cette année. Ça me laisse une chance supplémentaire de pouvoir montrer que je suis capable d'y aller. Parce que je me sens capable d'y aller. Donc voilà, ça va me laisser un an de plus pour performer et essayer d'être sélectionné. Merci beaucoup pour ces infos, Valentin. On approche petit à petit de la fin du podcast La Soquette Légère. Juste quelques questions. On sait évidemment, Valentin, que le placement en course et l'anticipation des bordures, ça doit faire partie de la panoplie du coureur cycliste. Comment est-ce que toi, ces éléments, tu arrives à les travailler ? Moi, je travaille essentiellement sur les courses en Belgique, qui sont les courses où il y a le plus de bordures et où le placement est le plus important. Après, ça, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'il faut progresser au fur et à mesure des années avec l'expérience. On sait quand faire l'effort et où la faire. Donc, si on n'en fait pas, c'est sûr qu'on ne peut pas progresser. C'est les gens qui en font le plus qui sont les meilleurs, on le voit. Et donc, il n'y a pas de préparation à avoir, c'est juste de l'expérience et sentir la course au mieux. Et enfin, un petit peu plus léger, est-ce que ton mémoire sur la fatigue musculaire en cyclisme, eh ben, ça t'aide à mieux appréhender les phases de récupération ? Ah oui, c'est sûr, ça aide. Après, je connaissais déjà, on va dire, les choses les plus importantes en récupération. Là, c'était plus dans la profondeur des choses. C'était quel muscle travaillait le plus sur le vélo et lesquels étaient les plus importants. Ça ne m'a pas forcément aidé en période de récupération, mais plus en période d'entraînement.
sur des muscles qu'on pouvait plus travailler que d'autres parce qu'ils étaient moins développés ou qui servaient moins. Donc c'est là que ça m'a vraiment apporté. Après, en récupération, voilà, je me fais masser régulièrement. J'essaie de faire voilà, du complexe, des bottes de pressothérapie, des choses comme ça. Valentin Madouas, c'était vraiment très agréable de te recevoir et d'échanger avec toi. On a pu un peu en savoir davantage sur ton environnement de cycliste professionnel au sein de la Groupama FDJ. Tout ce qu'on peut te souhaiter, bah évidemment une bonne fin de confinement avec de belles projections pour la saison qui va vite arriver. Et on espère te voir très rapidement et performant sur les routes du Tour de France peut-être, mais en tous les cas sur les routes de fin de saison. Chers auditeurs, auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez occuper correctement votre confinement, rendez-vous sur la page Twitter La Soquette Légère ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion pour retrouver l'ensemble de nos actus et nos podcasts. On se retrouve très rapidement, savourons cette annonce du Tour de France. Pour cela, évidemment, prenez soin de vous et restez à la Casa.